Yo 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 yo, salut à tous, c'est Chita, j'espère que vous allez bien et vous n'avez pas le moral mais vous trouvez cette vidéo géniale. Je vais très vite, nouvel épisode sur notre let's play jungle primitif, un serveur primitif. Dans cet épisode nous allons partir sur un thème de Tyrannosaurus. Pourquoi? Parce qu'on a absolument besoin d'une bestiole pour faire les baies etc etc. Et ça dépanne quand même pas mal, c'est quand même un dino très intéressant. On l'a fait sur une matinale parce que je vous rappelle que tous les matins de 9h à midi nous sommes sur de la matinale tranquillement, musicale, into, timing, into, caca, into, engrais etc etc. Et tout cela bien entendu jusque dimanche parce que dimanche je vous le rappelle je pars en vacances, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va sortir pour vous expliquer ce qui va se passer pendant un mois. Bref, j'espère que l'épisode va vous plaire, je vous dis à la prochaine, c'était Chita. Ciao. Putain, et ça va être cool, en septembre, en octobre, il y aura du Pokémon Go, enfin du roleplay Pokémon. Il y a moins que ce soit bien drôle. Le retour de Kiki avec Yogi, ça va être bien fun. Pokémon roleplay, le retour. Ah, il est toujours là. Où est-ce qu'on le prend les gens, au moins pour dépanner? On va se le prendre, je pense, hein. Au moins, ça sera pas trop loin tame. Allez, on va se récupérer. Parce que le Terry, c'est trop fort. Même un bas level. Même si en vrai, là, ça, c'est pas si bas level que ça. Vu que c'est difficulté 3. Par contre, je sais très bien ce que ça donne. Je vais me faire enculer ma grand-mère. Il est où? Rodon. Là. Et s'il grimpe? Il a pas l'air de réussir à grimper. Oh! Lady Snow! Lady Show! Il faut que je me trompe pas, que je me trompe. Merci pour le resub! Merci beaucoup, Lady Show! Deuxième mois déjà. Encore un mois et t'auras un changement de couleur sur ton émote. T'as vu ça un peu? Mais tu portes la barbe, Chita? En fait, moi je suis juste. Comment appelle ça? Oh, c'est super fort en vrai. Je suis de type feignant. C'est-à-dire qu'en gros, je porte pas la barbe. C'est juste que je me rase une fois par semaine. Donc en fait, en début de semaine, je suis nu comme un verre. Et en fin de semaine, bah, j'ai la barbe qui a poussé parce qu'en une semaine, j'ai déjà la barbe conséquente. Du coup, ça dépend des jours de la semaine. Tire depuis l'Argentavie. On peut pas tirer depuis un Argentavie, les gens. C'est pas un... Allez, il est bloqué en plus, là. Merci encore, Mademoiselle Lady Show, pour ton resub. Tu peux dire juste Lady. Ouais, mais si je veux dire Lady Show... Comme le chocolat. C'est ça. T'as tout compris. Ah, moi je suis une vie très feignant, tu vois. À une époque, je me suis dit, tiens, je vais profiter du fait que j'ai une barbe relativement. Comment on appelle ça? Putain, la musique est chiante. Hein. Ah, bah il fait dodo. Impeccable. Allez, on va chercher du barley, les gens. Je me dis, tiens, bah attends, je vais profiter et tout d'avoir une barbe qui pousse bien. Blablabla. Mais mec, entretenir une barbe, les gens, vous savez pas ce que c'est, hein. C'est pire que d'avoir des cheveux pour une nana, hein. C'est un truc de dingue. Bon, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. Un moment donné, j'avais fait la petite moustache, vous vous rappelez, quand on avait fait le challenge. On avait fait genre, je vous avais proposé genre 30 choix de barbes différentes. Et tout le monde avait voté pour la moustache. La grosse moustache. On l'avait faite 3 jours. Ça m'avait saoulé. Regarde, depuis quand on peut tirer depuis un Argentavie? Pas de bêtises. Chita met la musique, boomerang, Brook, GRX. Ah non! Pas demandé comme ça. Et j'ai promis à Koolba de lui mettre la musique Lolo Four. A mon avis, c'est un troll, connaissant Koolba. On va voir. Hein. Mais à mon avis, c'est un bon troll des familles. Hein. Ouah, du runner! C'est vraiment le pire. C'est pas possible, les cheveux c'est énormément d'entretien si on veut quelque chose. Eh ben, tu serais étonné, Lady. Pour avoir une vraie belle barbe, le temps que ça prend. Genre, ça prend vraiment un temps de dingue. C'est quoi cette musique que nous a mis Koolba? Salut bébé UV, comment tu vas, bro? La forme? Tant que je t'avais pas vu passer.
Putain, c'est quoi cette ambiance, Koulba? Après, je pense que c'est tout à chacun. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens... Juste de laisser pousser les cheveux, déjà, ils ont des cheveux vachement... Enfin, ils sont nickel, tu vois, déjà, de base. Il y a pas... Waouh! Moins fort. T'écoutes ça, Koulba, toi? C'est violent, hein. Alors, on m'a dit qu'avec le barlet, c'était efficace, les gens. On va voir ça, hein. Le barlet. En plus, il est frais. Let's go. Ah, c'est pas la bonne. Ok, je me disais bien que c'était. C'est laquelle? C'est celle-là alors, du coup? Celle-là, Koulba? Je sais pas, moi. Lady, elle entretient une barbe, c'est juste infâme. Bah ouais, c'est vraiment infâme. Parce que le problème, c'est que la barbe... Enfin, moi, je sais pas vous, mais ma barbe, en un jour, elle a déjà changé, tu vois. En un jour. Hein. Je te vois cet après-midi pour le tournage, titouille. Ah oui, c'est vrai que cet après-midi... Il y a moyen, Isabelle. Normalement, je devais bosser cet après-midi. Finalement, j'ai pris mon après-midi parce que j'ai beaucoup de coups de fil à passer. Je vous rappelle que dans pas trop longtemps je pars. Du coup j'ai coupé à passer par rapport surtout au problème de thunes, enfin au problème de paiement là-bas. Au Zimbabwe c'est galère de ouf. J'avoue c'est le boulot encore pire que pour les cheveux. Ouais franchement je trouve que c'est vraiment pire. Je sais pas. Mais ouais je te dis ça Isabelle. Excuse-moi j'ai vu que tu m'avais relancé en plus. J'ai pas encore pris le temps. Je suis vraiment désolé Isabelle. Mais ouais je passerai. Ouh Rex Alpha. Je suis désolé hein, les gens, à tous ceux qui ont proposé des musiques, je peux pas tout mettre. Là, je prends un truc qui passe et. Par contre, je sais plus s'il doit être frais ou pas le barlet. Ah! Oh merde, il y a un Raptor Alpha à côté quoi. Putain, c'est mort. Aussi, il est plus loin. Ok, on commence à 15h si jamais. Ça marche, Isabelle. T'as dit quoi? Je viens un message de Lady. Je suis à presque un an de préparation pour changer la couleur. J'y suis presque. Waouh, j'arrive pas à lire. Tu en veux quelque chose de bien? Tu vas changer de couleur? Tu vas faire quoi du coup comme couleur? Change pas la couleur, tes cheveux! Malheureuse! Dénaturation! Pas bon ça pour les cheveux. Oh putain, je vais me faire emmerder. Sur l'âge de tout feu, tu vois. J'ai vu Seb. Comment ça va, Seb? La patate? Plus jamais. Hein. Je t'aime bien Koulba, mais non, plus jamais. Moi, je veux un truc soft. Hein. Ah non, c'est bon. Barbe et cheveux longs. Toi, Koulba, t'as ça? Non. Ah non, on va trouver une musique plutôt cool. Oh, c'est moi qui choisis. Oh, c'est moi qui choisis, vous savez quoi? Pour celle-là, c'est moi qui choisis. Je veux un truc tranquille. Voilà. Impeccable. Et vous savez que dans 2 semaines, je change de couleur de cheveux, les gens. Je vais être en mode ninja. Je vais me faire les cheveux verts. Je trouve ça trop stylé. Ah, il mange bien, ouais. Par contre, il faut lui faire manger quelques narcotiques. Ah ouais. 3%, 4% par barlet. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu, je ne connais pas les
paroles, j'improvise. Yes. Pa, pi, 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 pa. Ouais, c'est pas si efficace que ça, votre barlet de mes couilles, hein. Je vais jamais avoir assez de narcotiques, hein. When I put up your prize and see like me. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci? C'est qui je suis moi? Nia! Bouh! Bouh! So I take no more, no more. Yo, bo, bo, bo. Ça va bien et toi? Et la petite Arbia va bien? Bah écoute, je crois qu'elle va bien, ouais. Après c'est le matin, hein. Le matin, on se réveille tranquillou, hein. Oh laisse tomber, j'aurai jamais assez. Faut les en faire en fait. Attends, j'ai tout le faire manger. On espère que ça tienne. C'est pas dit, hein. Allez, let's go. Allez, on va se faire un petit... Allez, pour vous, mesdames et messieurs, on va se faire un petit... une petite impro. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes avec les viewers. Sont bien trop généreux. J'ai beau leur expliquer qu'avant tout, c'est la présence. Ouais. Qu'il fallait pas manger des cailloux. Fallait penser à soi. Merci Seb. J'ai des petits problèmes avec les viewers. Ils sont bien trop gentils. Pas tout le temps. J'ai des petits problèmes avec les viewers. Et avec Azabel. Ouais. À chaque fois qu'elle passe sur le live, elle balance ses 100 bits. Ouais. À chaque fois qu'il y a Jaco, ça part en bon freestyle. J'ai des petits problèmes avec les viewers. Ils sont bien trop généreux. Ça dépend des jours, mais en règle générale, ils sont bien trop trop dingues. Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Dessin posté, je pars sur un nouveau. Ah! Mesdames et messieurs, nous avons un dessin qui a été fait par Mu. Ah, j'allais aller voir ça direct. J'ai des petits problèmes avec la petite Mu. Elle nous... Wouah, il est génial. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Ah. Ça pousse pas. Oh Koulba. Oh Koulba. Oh. En plus ça ressemble tellement à Koulba. Attends, je vous mets... Oh les bits, merci Koulba. 190 bits. Regarde Koulba. Regardez les gens. C'est trop mignon, j'adore. C'est trop bien. Oh Muse, t'es trop génial. Pousse pas. Et un petit peu. Là c'est Cheetah avec Koulba. En vrai. Et franchement, la tête va tellement avec sa voix. C'est Koulba et Cheetah qui se... Comme des gosses. Ah j'adore Muse. Elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon David? Oh, j'adore. Au top le dessin. En vrai, il est trop bien. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'autre, je vous mets l'autre. Regardez. Ça, c'est celui d'hier. Incroyable le dessin. Et ça, c'est celui d'aujourd'hui. Et là, elle part sur un troisième apparemment. Oh, j'ai hâte. Oh, j'adore. On va faire une BD, les gens. Les histoires de Koulba et Cheetah. Ça peut être génial. On va sortir une BD Mu. On va travailler ensemble dessus. Je suis chaud. Je t'ai fait le scénar, je t'écris le scénar quand je serai au Zimbabwe, t'inquiète. J'aurai du temps. Pourquoi ça pousse pas? C'est vraiment magnifique, j'adore ta patte Mu.
C'est moi qui nous a fait ça comme ça en une heure, hein, les gens. Ça fait 2 ans que j'avais pas repris le dessin, ça me fait du bien. J'adore. La bestiole me tapait dessus quand j'étais en altab. Non, ça va, t'inquiète, 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 je gère la fougère. Bon, et bientôt prêt celui-ci. Ça vous dit, on se fait un timing de Quetzal acrobatique. Il faudrait que j'ai des grappins. Oh, un Kamini, tiens. Allez. Ah, c'est vieux ça. Des petits patelins. Des petits patelins paumés, ouais. Ces petits patelins paumés. Pour qui personne n'a jamais rappé. On va faire des grappins, on va essayer de se faire du timing de Quetzal, ça va être drôle. Je suis pas sûr que ça passe, mais bon. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Perdot. Faut être motivé. Pour dessiner ? Moi, à une époque, je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, est-ce que je pourrais vous montrer des dessins que j'ai faits ? Est-ce que j'en ai dans... sur moi là ? Est-ce que je peux vous les trouver ? Sur le beat 1, le beat 1 qui fait 1-1, j'y retrouverai. À une époque, je prenais des cours de dessin. Mais depuis que j'ai perdu de la vue, comme je vois comme une taupe maintenant, laisse tomber. C'est mort. C'est compliqué de dessiner quand tu vois rien. Mais je pense que ça va me faire du bien aussi, Zimbabwe. Vous savez pourquoi? Parce que je vais être. Je vais faire une pause aussi écran. Et là, je perds de la vue. Ah! Attends, toi. Peut-être que je vais m'endormir. Très possible. Ouais, je vais m'endormir. Petite sieste. Mais le beat est bon. Je viens, pas de Paname, mais de Marley, Gaumont. Je disais quoi? Je disais, ouais, ce qui va être cool au Zimbabwe, c'est que je vais faire une pause. Parce que là, je perds de la vue de ouf, les gens, à cause des écrans. C'est un truc de dingue. Bah, je fatigue les yeux plutôt. Je perds pas de la vue, mais genre. Je dis ça, mais en même temps, je vais y ramener mon PC pour. Bosser les vidéos. Mais bon. Go débat sur les hobbies. Ah ouais, go! C'est quoi votre hobby, les gens? Donnez-moi votre hobby. Ça marche, un canot, des bisous. À ce soir. Si tout se passe bien, on verra. Sinon, demain. C'est quoi votre hobby? Donnez-moi votre. Un, parce qu'il y en a plein qui en ont plein des hobbies. Votre hobby actuel ou votre hobby que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, qui vous a peut-être le plus marqué, tu vois. Le judo. C'est pas un hobby, c'est un sport, ça. Bon, ça peut être considéré comme un hobby aussi. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as réglé ton écran contre la lumière bleue? Ça repose vachement les yeux. Ouais mec, j'ai 3 écrans mieux à paramétrer. Je t'avoue que je m'en bats un peu le steak de m'occuper de ça. Mais c'est pas bête ce que tu dis. Perso, je dessine une maison. Et tout le monde me dit poliment, elle est belle ta montagne. La branlette sous la douche. Ball passion. Paintball. C'est cool. La moto. C'est cool ça. Moi je suis pas un fan de la moto perso. Mais j'ai beaucoup de potes qui le sont. Le dessin et la pâtisserie. Oh, mais Mu. Putain, mais Monsieur Mu, t'as trouvé la perle rare quoi. Non seulement elle dessine, mais en plus elle te fait de la pâtisserie. Tu l'atteins notre Thierry? Il est prêt? Non, il n'est pas prêt encore. Le dessin. C'est vrai que Talia aussi nous a fait un beau dessin à une époque où elle faisait des dessins. Maintenant, elle en fait plus. Je suis déçu. D'ailleurs, Mu, tu me donnes les droits, hein, dis-le là. Hein. Tu me donnes les droits sur les dessins que tu m'as fait. Je peux m'en servir si je veux me les prendre, c'est pour des vidéos, des trucs comme ça. Ta la petite ta. Apprendre le japonais, la pâtisserie, réalisation vidéo. Mais c'est pas une passion, c'est ton métier, Isabelle. Enfin, assisément, c'est plus une passion. Je connais un bon pote qui revend des lunettes à moins 5%, code Yonix, anti-lumière bleue. Ouais, mais ça coûte cher. Salut Yonix. Et le problème de ça, en fait, Yonix, c'est qu'ils te vendent des lunettes. Mais ils sont pas de vue. Et moi, il me faut des lunettes de vue. Donc là, le prix, c'est pas la même chose. Hein. Et moi, c'est des lunettes très spécifiques. Genre. Comment il va, Yonix? Pêche à la mouche en montagne. Ça, c'est cool, ça. Je joue à Argon Passion. Moi, je pense que la passion. Enfin, le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est ou les Warhammer, parce que j'ai passé un temps faramineux à monter mes figurines, à les peindre, à jouer, etc. Ou les Warhammer. La pêche aussi. La pêche, j'ai énormément passé de temps à la pêche. Le scoutisme, mais c'est pas vraiment un hobby, le scoutisme. C'est pas vraiment considéré comme un hobby, quoi. Et
Ouais, j'aurais dit non, pas Magic. J'ai pas été aussi accro à Magic que je l'ai été à. Et que je le suis toujours d'ailleurs à Warhammer. Même si je peux pas. T'as de la vue, mais tu tapes sur du 250 euros remboursé. Ouais, mais le problème, c'est que moi, mes lunettes. En fait, si tu veux, Yonix. Elles sont entre guillemets pas faisables. Ah merde. Par le commun des mortels des opticiens, tu vois. En gros, faut que je les fasse faire par une. Par une usine, il n'y en a qu'une seule en France, blablabli, blablabla. Enfin, laisse tomber. C'est pour ça que c'est un peu chiant, quoi. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un cache, tu vois. Un cache comme celui-là. Tu vois. Là, j'ai un cache. Voilà, celui-là, il est crade. Et qui fasse lumière bleue. Tu sais, genre que je rajoute par-dessus. Qui se clipse. Bah, un peu comme celui-là, en fait, ça, c'est un clip que j'ai là. Tu vois, ça serait l'idéal. Mais bon, ils le font pas, quoi. T'imagines des trucs spéciaux. Ah, bah, c'est bon, il est tame! Incroyable. Mais du coup, les gens, si vous cherchez du coup des lunettes, fais ta promo. Si vous cherchez des lunettes lumière bleue, anti-lumière bleue plutôt, vous avez le code promotionnel. C'est quoi? C'est Yonix? C'est ça? Vous le trouvez sur le live de Yonix. De toute façon, vous savez que quand je suis pas en live, très souvent, je l'héberge automatiquement. C'est que hier, c'était très drôle, Yonix. Parce que hier, j'ai pas live alors que je devais live. Et j'avais mon chat. Il faisait une discussion. Il discutait avec toi. Il te parlait vraiment alors que c'était sur mon chat. Il savait pas que c'était un hébergement. Et il disait en mode, putain, c'est bizarre, je reconnais pas Chita ce soir. Ouais, bah lui, blablabla. C'était incroyable. C'était trop trop drôle, mon gars. Je les ai regardés pendant genre 1 heure, ils parlaient. Et j'étais genre 3-4 là à dire, ah, blablabli, blablabla, je reconnais pas Chita. Et bien, je suis intervenu, j'ai fait, hé hey, les gars, si vous voulez parler, cliquez en haut à droite. Très très drôle. Tiens, c'est bizarre, Chita, il a changé. Il a un peu changé, ouais.